Dès le plus jeune âge, on observe un processus de concurrence et de comparaison. Phénomène bénéfique dans la construction de l'identité d'un jeune individu, cette concurrence est toutefois plus importante aujourd'hui, mais tend très souvent à des destructions. On ne fait plus le constat de la concurrence, mais plutôt de la rivalité. Il n'y a plus de la concurrence illégale pour atteindre un but. Il y a les jeunes, tu vas les voir, il y a les autres qui vendent et ils sont... Tu vas penser que c'est ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ça qui les donne ça. Au lieu que ce n'est pas ça qui les donne ça. Toi maintenant, un jeune élève qui part à l'école, tu ne peux pas faire la concurrence avec quelqu'un qui vend. Nous jeunes frères de maintenant, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas ça. Les jeunes actuellement, surtout bon, les enfants n'ont pas l'esprit de la concurrence. C'est de s'adonner à la vie telle qu'ils comprennent, qu'ils voient ça. Ils ne font pas la concurrence pour sortir leur tête. De manière symbolique, la concurrence nous met une pression supplémentaire à exister et être unique au milieu des humains. La tendance à la concurrence n'est pas une nouveauté, elle existe depuis très longtemps. Bien que nous soyons en compétition ou en concurrence, facilement cette concurrence vit à la destruction du concurrent. Au lieu que ça soit une émulation, facilement on préfère détruire l'autre pour avancer ou pour prendre sa place. Les jeunes sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, à s'auto-détruire même, ouais, à s'auto-détruire, à se donner à tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que l'argent, parce que le blim-blim, parce qu'on veut se faire voir, parce que... Les jeunes sont donc invités à adopter une concurrence saine afin de ne pas nuire aux autres. On va les inviter à cultiver la concurrence saine, la compétition saine. On peut toujours faire la concurrence, on peut toujours compétir, mais de façon saine et avancer, évoluer. Comme dans le sport, la concurrence est un stimulant qui incite les entreprises à se dépasser, favorisant ainsi l'innovation.